Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse au début de règne de François-Joseph de Habsbourg. Les 67 années de long règne de François-Joseph de Habsbourg coïncident avec la période la plus féconde et la plus brillante, sinon de l'histoire poétique, du moins de la civilisation et du mode de vie d'une Autriche enfin dégagée des implications de l'ancien Saint-Empire romain germanique. C'est pourquoi l'avènement de François-Joseph de Habsbourg coïncide avec un renouveau et une espérance de renaissance. Vous voulez en savoir plus sur le début de règne de l'Empereur Habsbourg Venez avec moi Le monarque précédemment connu sous le nom d'Archiduc François après un double nom d'Empereur. Initialement, il était prévu de le nommer François II ou Franz en allemand, d'après son grand-père, le premier Empereur d'Autriche, François Ier. Enfin, en ajoutant son deuxième prénom, Joseph, il a été décidé de commémorer l'empereur Joseph II, qui était encore populaire parmi le peuple. Pour cette raison, le double nom François-Joseph de Habsbourg, qui est inhabituel pour un monarque de la maison de Habsbourg, a été choisi. Le double nom, écrit sans trait d'union, signalait ainsi cohérence et progrès en même temps. L'archiduc François-Joseph Karl était le fils aîné de l'archiduc François-Charles de Habsbourg et de son épouse, la princesse Sophie de Bavière. Il est né le 18 août 1830 au château de Schönbrunn. Comme aucun descendant ne devait être attendu du mariage de l'héritier du trône Ferdinand, son frère aîné François-Charles devait assurer la succession des Habsbourg. C'est pourquoi la naissance de son fils François Joseph de Habsbourg à la cour de Vienne était d'une importance particulière. François Charles d'Autriche était à la fois physiquement et mentalement d'une constitution faible et était donc considéré comme peu apte à une régence. Pour cette raison, François Joseph d'Habsbourg a été constamment construit dès sa plus tendre enfance par sa mère politiquement ambitieuse en tant que successeur au trône impérial. L'éducation du futur empereur était le sens du devoir, la religion catholique et la conscience dynastique. Le théologien Joseph Otmar von Rocher lui a transmis la compréhension inviolable du pouvoir d'origine divine avec l'empereur comme seul décideur. Les éducateurs ont prescrit à l'archiduc François-Joseph de Habsbourg une énorme charge d'apprentissage qui comprenait initialement 18 heures par semaine et a été étendue à 50 heures par semaine à l'âge de 16 ans. L'un des principaux objectifs des leçons était l'acquisition de la langue. En plus du français, la langue diplomatique de l'époque, le latin et le grec ancien, les langues nationales les plus importantes de la monarchie ont été incluses, le hongrois, le tchèque, l'italien et le polonais. En outre, l'archiduc a reçu l'éducation générale coutumière de l'époque, y compris les mathématiques, la physique, l'histoire, la géographie, qui a ensuite été complétée par le droit et les sciences politiques. Diverses formes d'éducation physique complétaient le vaste programme. Dans l'Empire d'Autriche, la monarchie n'est pas menacée uniquement par de violents soulèvements en Autriche, c'est-à-dire l'État central de l'Empire, mais aussi par d'autres troubles révolutionnaires, comme en Bohême, en Hongrie ou en Italie du Nord. Le royaume de Sardaigne de Charles Albert soutient militairement les révolutionnaires. Alors que le soulèvement hongrois, bohémien et italien vise entre autres à l'indépendance vis-à-vis de la domination autrichienne, la révolution autrichienne a pour objectif un changement libéral et démocratique de la politique du gouvernement. Et la fin de la Restauration, l'hiver 1847-1848 est synonyme de famine pour les plus défavorisés. Dans les milieux ouvriers également, la colère contre le système politique augmente. Finalement, la révolution éclate en Autriche le 13 mars 1848 débutant avec l'attaque à Vienne et des attentats de révolutionnaires socialistes contre les magasins et des usines dans les faubourgs. Avant l'attaque de Vienne, la colère contre le système policier et les revendications des révolutionnaires pour une transformation constitutionnelle de la monarchie et la mise en place d'une constitution dans le pays autrichien avaient déjà été exprimées le 3 mars 1848 dans un discours rédigé par le chef nationaliste hongrois, Lajos Kazout. Alors que les Viennois marchent sur le palais, l'empereur Ferdinand Ier demande une explication au chancelier Metternich et se voit répondre qu'ils font une révolution. On lui attribue cette réponse de la part de l'empereur, limitée mentalement. Mais ont-ils le droit de faire cela Le soir du 13 mars, le chancelier Metternich, âgé de 74 ans, détesté par les socialistes et les réformateurs, démissionne et s'enfuit en Angleterre. Le 14 mars, l'empereur fait ses premières concessions. Il consent à l'établissement d'une garde nationale et élève la censure. Le lendemain, il précise à ce sujet qu'il avait octroyé une totale liberté et il promet également par décret une constitution. Le 17 mars, le premier gouvernement est formé. Son ministre de l'Intérieur esquisse une constitution qui est rendue publique pour l'anniversaire de l'empereur le 25 avril 1848. Cette constitution ne va cependant pas assez loin selon les révolutionnaires. Le système électoral pour l'élection du Reichstag, publié le 9 mai, provoque notamment l'indignation et mène ainsi à de nouvelles perturbations lors de la révolution de mai. En raison de la pétition du 15 mai, cette constitution est réaménagée. Le Reichstag ne devra plus être constitué que d'une seule chambre et celle-ci devra être déclarée constituante, c'est-à-dire qu'elle aura la charge d'établir une constitution définitive. L'empereur dépassé par les émeutes qui s'intensifient par se mettre en sécurité à Innsbruck. Le 22 juillet 1848, le Reichstag constituant autrichien, composé de 383 délégués venus d'Autriche et des pays slaves, est ouvert par l'archiduc Jean-Baptiste d'Autriche. On y décide entre autres les libérations des paysans de la féodalité le 7 septembre. Les événements qui ont lieu en Hongrie à partir du 12 septembre 1848, pendant lesquels le soulèvement hongrois mène à un affrontement contre les troupes impériales, puis par la suite à l'assassinat du ministre de la guerre autrichien Théodore Ballet, von la tour le 6 octobre, provoque à Vienne la troisième phase de la révolution autrichienne appelée insurrection viennoise d'octobre 1848. Au cours de son développement, les citoyens, étudiants et travailleurs viennois parviennent à prendre la capitale après que les troupes du gouverneur s'enfuirent, en mais les révolutionnaires ne peuvent la garder en leur pouvoir que pendant une courte période. Le 23 octobre, Vienne est encerclée par des troupes contre-révolutionnaires venant de Croatie et de Prague. Malgré la résistance farouche, quoique désespérée, de la population viennoise, la ville est reprise par les troupes impériales en une semaine. D'autres meneurs de l'insurrection viennoise d'octobre sont condamnés à mort ou à de longues peines de prison. Après la répression de la Révolution de Mars, d'autres soulèvements révolutionnaires secouent l’Empire d’Autriche. Les événements de 1848 ont également illustré la faiblesse de l'empereur Ferdinand dans le leadership et ont montré qu'il était presque incapable de gouverner en raison de sa maladie. Le gouvernement impérial autour de Vélix Zou Schwarzenberg et le conseil de famille d’Herbsbourg, considéraient le retrait du monarque faible comme un moyen inévitable de rétablir la stabilité de la dynastie. Comme l'héritier officiel du trône, l'empereur frère François-Charles de Habsbourg n'avait ni la personnalité ni les capacités politiques et intellectuelles pour diriger l'empire d'Autriche. Son fils François-Joseph de Habsbourg, âgé de 18 ans, devait devenir son successeur. À l'initiative de Schwarzenberg, Ferdinand accepte de démissionner du gouvernement pour cause de maladie. Selon la version officielle, il conserve son titre impérial personnel jusqu'à sa mort en 1875. À l'instigation énergique de la mère de François-Joseph d'Absbourg, son mari, François-Charles d'Autriche, renonce également à ses prétentions au trône. Le 2 décembre 1848, Ferdinand démissionne officiellement du gouvernement. Et François-Joseph d'Absbourg fut proclamé nouvel empereur d'Autriche dans la salle du trône de la résidence du prince évêque d'Olomouc, où la cour avait fui en raison de l'insurrection d'octobre à Vienne. En plus de la déclaration de démission de Ferdinand du gouvernement, la cérémonie d'état solennelle comprenait la déclaration de grandeur de François Joseph d'Autriche par le prince de Schwarzenberg. Dans sa déclaration gouvernementale, le nouveau souverain a exposé son idée de la règle avec les mots déterminé à préserver la splendeur de la couronne sans nuage, mais prêt à partager nos droits avec les représentants de nos peuples. Nous comptons sur le fait que avec l'aide de Dieu, il sera possible d'unir toutes les terres et tribus de la monarchie en un seul grand corps d'État. Il choisit Viribus Unitis avec des forces unies comme devise. Le nouvel empereur prend immédiatement en main les affaires de l'État et dévoile au passage une force de travail impressionnante. Ce jeune homme de 18 ans est cependant alors sous l'influence de trois personnes essentielles. Sa mère, l'archiduchesse Sophie de Bavière, le premier ministre Schwarzenberg, artisan de la restauration du pouvoir impérial, et son premier aide-de-camp, le baron von Grune, qui a la haute main sur les affaires militaires. Après avoir rejeté le projet de constitution du Reichstag, jugé trop libéral, François-Joseph de Habsbourg promulgue la constitution du 4 mars 1849, conservatrice et centralisatrice. L'empereur Schwarzenberg souhaite l'Empire d'Autriche puissant et fort, plutôt que d'accorder l'autonomie aux minorités au risque d'affaiblir l'Empire. Le Reichstag est dans le même temps dissous, Il reste à écraser les Hongrois. Ces derniers remportent en avril 1849 des succès en repoussant une offensive autrichienne. François-Joseph d'Habsbourg, qui doit livrer une autre guerre en Italie du Nord, demande l'aide de l'empereur Nicolas Ier de Russie. L'Alliance écrase finalement la rébellion en août 1849. S'ensuit une terrible répression encouragée par l'empereur et organisée sur place par le général Eino, chef de l'armée autrichienne en Hongrie, déjà rendu célèbre par les tueries qu'il a commises dans le nord de l'Italie et qui lui ont valu le surnom de Yen de Bresca. La Hongrie disparaît en tant qu'entité politique et absorbée dans l'Autriche. En Italie, une trêve a été conclue avec les piémontais fin 1848, mais les hostilités reprennent le 2 mars 1849. Cependant, après la victoire autrichienne de Novare, le roi Charles Albert est contraint de demander l'armistice puis d'abdiquer. Avec la paix signée le 6 août, le gouvernement piémontais doit verser 75 millions de francs d'indemnité à l'Autriche. Quant à la population italienne, la répression qui s'abat sur elle est moins lourde que celle subie par les Hongrois. L'Empire d'Autriche doit parallèlement lutter avec la Prusse pour la suprématie en Allemagne. Frédéric Guillaume IV souhaite en effet prendre la direction d'une union allemande dont l'Empire d'Autriche serait exclu. Schwarzenberg propose lui une solution grande autrichienne qui regrouperait l'Allemagne et toutes les possessions habsbourgeoises. Lorsque la S. Kassel demande l'aide en octobre 1850 de la Confédération germanique dominée par l'Autriche contre la Prusse, la guerre semble inévitable entre les deux pays. Finalement, les Prussiens doivent renoncer à leur projet. François-Joseph Habsbourg est conforté dans sa position de premier prince allemand, même si la question allemande n'est pas encore tranchée. Les révoltes étant réprimées, François-Joseph Habsbourg peut désormais se concentrer sur les affaires intérieures. Inspiré par Schwarzenberg, il tente d'unifier politiquement et administrativement l'Empire d'Autriche afin d'empêcher de nouvelles révolutions nationalistes. Pour cela, il ne tolère aucun contre-pouvoir. L'Empereur concentre désormais tous les pouvoirs entre ses mains, assisté d'un conseil de l'Empire, le Reichstag, dirigé par un de ses avidés, le baron von Kubeck. Les ministres deviennent de simples exécutants de la volonté impériale. François-Joseph d'Arbsbourg bénéficie alors de plus de pouvoir encore que ses prédécesseurs. Toutefois, pas un retour à l'ordre ancien, puisque l'abolition du système féodal est confirmée. On qualifie donc ce régime de néo-absolutiste. Pourtant, l'homme n'est pas de ceux qui suscitent l'enthousiasme des foules. Doué d'un physique agréable, affable, mais peu affectueux. Simple d'abord, mais sec de contact, il n'est guère brillant et se compose un personnage d'homme de devoir résolument terne. Il se considère comme le premier serviteur de l'État et son application lui tient lieu de génie. Profondément conservateur, il élève l'immobilisme au rang de philosophie politique. Et il faut bien avouer que François-Joseph d'Absbourg est rarement à la hauteur des circonstances lorsqu'il doit prendre des décisions importantes. En 1848, il a été choisi comme prêtre non par l'aristocratie conservatrice et l'armée. Une fois l'ordre peu à peu rétabli par celle-ci dans l'Empire d'Autriche. Au début de son règne, il est soumis à l'influence de sa mère, l'archiduchesse Sophie, et à celle de son premier ministre, le prince Schwarzenberg, dont l'œuvre est remarquable. La brutalité de la répression qui s'abat sur la Hongrie en 1849 montre que le jeune souverain a opté pour un système politique cohérent. L'absolutisme centralisateur appuyé sur l'armée et la bureaucratie allemande. Pour la première fois de son histoire, la monarchie autrichienne devient un véritable État centralisé où les notables provinciaux doivent céder le pas devant les fonctionnaires nommés par Vienne. Mais de plus en plus, François-Joseph de Habsbourg s'affirme comme empereur et prend de plus en plus d'autonomie et de pouvoir. Comme on l'a vu, François-Joseph de Habsbourg est un empereur d'Autriche régnant de 1848 à 1916. Il est également roi de Hongrie de 1867 à 1916. Il accède au trône d'Autriche en 1848, dans un contexte troublé suite aux révolutions européennes de cette année. L'empereur d'Autriche, contesté et affaibli, le jeune empereur ne doit son salut qu'à l'intervention de la puissance de la Prusse. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube, tout sur l'histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.